Oui, bonjour, bonjour Vincent. Donc, tu es agriculteur, tu es installé sur la commune d'Amblois. Amblois, donc, c'est une petite commune entre Vendôme et Chartres. Donc, faut dire que sur l'exploitation, on a un petit peu de tout. On a des argiles noires et on va dire 70% de limon argileux. D'accord. Et donc, tu es installé sur. Tu fais combien d'hectares de colza? Donc j'ai 30 hectares sur une surface totale de 110 hectares irrigués. Je fais 140 hectares de colza à façon. D'accord, donc tu as une vue un peu globale de tous les colzas, de ce qui se passe. Voilà, on voit un petit peu plusieurs variétés, dont pas que des décalbes, on va dire. Voilà. Donc là, ici, on est sur une parcelle de déca exception. Comment tu peux nous faire un résumé de la campagne que l'on vient de vivre? Donc on a une campagne assez compliquée, beaucoup d'altises au départ. Bon, moi j'avais la solution, enfin on va dire j'avais fait des plants de campagne, j'ai pendu aussi du compost, donc ça a favorisé on va dire la végétation des colzas. D'accord, donc tu t'es retrouvé avec finalement avec les plants de campagne et l'azote que tu as mis, plus tu sèmes relativement clair pour avoir des gros colzas, puisque tu sèmes avec un semoir monograine aussi, je Tout à fait, crois. oui. Voilà, donc en fait, tu n'as pas trop souffert lorsqu'il y a eu des excès d'eau ou les problèmes d'altise. Non, 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 non. Donc on a la preuve ici, hein, sur cette parcelle de déca exception qui a été bien menée. Avec une précocification des dates de semis. Et donc, on a ici un bel exemple et on attend avec joie et impatience, je dirais, la récolte à venir. Pourquoi as-tu choisi des cas exceptions? Des cas exception parce que. On va dire ça fait plusieurs années que je l'ai testée. Elle était numéro 1 sur chez moi et aux alentours. Et j'aime bien la génétique des calbes. Très peu sensible à l'élongation déjà. Que bon, on a des composts qui libèrent de l'azote, on va dire de bonne heure. On peut avoir un climat qui démarre aussi très fort. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne variété pour ça. D'accord. Et puis la double tolérance FOMA Tout aussi à fait, oui. pour t'as des retours de colza réguliers. Oui. Voilà. Donc tu souhaites avoir des variétés qui soient double Double tolérance résistance. résistance au FOMA. Donc ça fait 8 ans que je suis installé, j'ai toujours fait des variétés des calbes. Toujours fait. Et pourquoi tu as toujours fait les variétés des calbes? Parce que pour moi, c'est les numéros 1. T'as jamais eu de déception? T'as. Jusqu'à aujourd'hui, non? Voilà. Donc eh ben, écoute, vu la parcelle comme elle se présente, je ne suis pas inquiet sur les rendements à venir d'une récolte qui s'annonce d'ici une dizaine de jours. Tout à fait. Hein, voilà. Il y a aussi, tu me disais aussi que tu avais aussi, lorsque tu récoltais, tu avais souvent des colzas versés les années antérieures et que tu choisissais aussi, c'était un critère de choix pour Voilà, toi. moi je ne récolte plus de colza versé depuis que je suis en décalbe. Alors maintenant, tu as aussi tous les ans, tu testes aussi d'autres variétés. Oui, tout à fait, même des concurrents. Ah bon? Et Et il n'y a pas photo. bah écoute, on te remercie Vincent et bah on va te souhaiter une bonne récolte à venir qui sur cette parcelle de déca exception est très très prometteuse.